Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des modèles bouclés de chez Commun Diadème parce que j'ai souvent des questions et je vois qu'il y a souvent des choses qui ne sont pas très très bien comprises sur le site. Donc je me dis que ça peut être pas mal de faire un point pour vous donner à toutes les informations et que vous compreniez bien l'offre de Commun Diadème au niveau des modèles bouclés. En fait, comme vous pouvez voir sur le site, les modèles, quand ils sont pris en photo, dans 99% des cas, ils sont toujours bouclés. Le truc, c'est que c'est moi qui les boucle, en fait, parce que je trouve qu'un volumateur, c'est plus joli en photo, ça reflète mieux la lumière quand c'est bouclé que quand c'est raide, donc c'est plus histoire de faire des jolies photos. Donc en fait, quand le modèle est raide, mais légèrement ondulé comme ça, il y aura marqué sur la fiche produit, alors déjà sur le titre, il y aura juste marqué, je sais pas, par exemple ici, c'est un Sophia, je crois, 56 cm base 20x20, donc il y aura simplement marqué ça. Et vous aurez dans le descriptif, le modèle, la chevelure est naturellement raide. Ça veut dire que je l'ai bouclé au fer, mais que dès que vous allez laver les cheveux, ça va redevenir raide. Par exemple, celui-ci qui est un modèle en cheveux européens, c'est pareil, il est raide. Je l'ai juste bouclé pour les photos. En plus, moi, je trouve ça joli, ça reflète bien la lumière, on voit bien les reflets, c'est vraiment... Ça fait des jolies photos, mais ça permet aussi de mieux voir la couleur. Par contre, il y a aussi sur le site des modèles qui sont bouclés, et dans ce cas-là, c'est indiqué dans le titre, et en plus, vous avez des catégories bouclées, ondulées sur le site, mais c'est marqué dans le titre de la fiche produit, et c'est aussi marqué dans la description du produit, avec écrit « la chevelure est bouclée, est naturellement bouclée en fait ». Ça veut dire que sur ces modèles-là, même quand vous aurez lavé les cheveux, ça va rester bouclé. Les modèles bouclés, je peux malheureusement pas les avoir dans toutes les couleurs. C'est surtout sur les bruns. Mes fournisseurs ne proposent pas de blond bouclé, de châtain clair bouclé. Les seules couleurs que je vais pouvoir avoir en bouclé, c'est Layla, Megan, Chicago et tout ce qui est dérivé de ces couleurs-là. Donc par exemple le Cathy, le Sophia, bref, tout ce qui est châtain assez foncé en fait. Il sera possible pour vous de faire boucler un volumateur, mais il faudra le faire faire par un coiffeur, quelqu'un qui a l'habitude, et il faudra bien tenir compte du fait que, bah forcément, vu que vous allez faire une permanente, ça va peut-être un petit peu assécher les cheveux. Par contre, moi, en tout cas pour le moment, chez Commun Diadème, je ne propose pas de blond doré comme ça bouclé, de blond clair bouclé, voilà, j'en trouve pas, c'est une question qu'on me pose très très souvent. Les seules couleurs que je peux avoir, comme je vous ai dit, alors là, j'ai un magnifique curly, mais Layla, 60 cm que vous pouvez voir ici, donc là c'est la couleur la plus foncée du site. Megan, c'est un ton plus clair si vous voyez, sachant que ce Layla est pas très très foncé. D'habitude les Layla que j'ai sont un petit peu plus foncés, mais vous savez chaque chevelure est unique. Layla, Megan, ils sont magnifiques hein. Et Chicago, voilà, tout ce qui est couleur dans ce degré de foncé, je peux avoir en bouclé, je peux même avoir en ondulé, et tout ce qui est dérivé de ces couleurs, Cathy, Sophia, bref, tout ce qui est aussi foncé que ça, si vous voyez sur le site des couleurs qui sont foncées comme ça, mais avec des mèches, que ce soit perruque, volumateur, pony topper, je peux les avoir en bouclé. Donc voilà, je vous invite à faire un tour sur le site si jamais ça vous intéresse. Donc ça, c'est des boucles qui restent une fois que vous aurez lavé les cheveux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va pas partir, ils vont pas redevenir raides. Est-ce qu'il est possible, on m'a déjà posé la question, de lisser un volumateur comme ça et de le porter? Oui, c'est possible, mais au bout d'un moment les boucles vont revenir, mais je recommande pas en fait, c'est un cheveu qui a été bouclé exprès, c'est pas des boucles naturelles, c'est fait par les fournisseurs en fait. Donc c'est un traitement, si après vous les relissez, vous les rebouclez, vous les relissez, vous les rebouclez, c'est... Enfin, il vaut mieux, franchement, et c'est pas pour prêcher pour ma paroisse ou je sais pas quoi, mais il vaut mieux à la rigueur en prendre deux que de s'acharner sur un volumateur qui est bouclé à le lisser. En fait, ça va l'abîmer, c'est pas impossible, mais moi je l'aurais pas fait en tout cas. Je l'aurais pas fait, c'est des volumateurs qui coûtent très cher, je me serais pas amusée à faire ça parce que j'aurais peur que ça abîme mes cheveux, donc c'est pas un conseil que je vous donnerais. Mais maintenant, après, c'est pas parce que vous le faites une fois que ça va démolir le volumateur, mais ça peut ne pas lui faire du bien de resubir encore un traitement à la chaleur pour enlever des boucles qui ont déjà été mises par un traitement à la chaleur en fait. Il y a aussi un point que je voudrais faire, on me demande aussi, parce que là comme vous voyez c'est une frisure particulière qui est quand même assez serrée,
Je peux pas avoir 600 types de frisures. Je sais que les cheveux bouclés, il y a différents types de frisures. Il y a des cheveux beaucoup plus bouclés. Pour l'instant, j'ai pas encore cette offre-là chez Command Diadem. Peut-être qu'un jour ce sera le cas, mais en tout cas, c'est pas le cas pour l'instant. Je peux avoir de l'ondulé, mais en fait, ce qu'il faut tenir ce qu'il faut prendre en considération, c'est un peu comme les histoires de couleurs, c'est que quand on porte un complément, malheureusement, on doit souvent faire un peu le deuil d'avoir exactement sa même chevelure. Donc moi, je vois des femmes parfois qui veulent vraiment exactement leur frisure. Si vous voulez exactement votre frisure, il vaut mieux dans ce cas-là en prendre un raid et le faire travailler par un coiffeur qui s'y connaît et qui sait faire ça, ce type de choses, pour qu'il se rapproche le plus possible. Moi, j'ai des clientes qui l'ont déjà fait et elles ont eu un résultat très similaire à leurs cheveux. Mais moi, dans ce que je vends, c'est une frisure particulière qui est celle-ci. Je peux difficilement avoir pile ce qui vous correspond, sachant qu'en plus, je ne vous connais pas, même si vous m'envoyez des photos, etc. Une photo, c'est fin. C'est compliqué. Donc, en fait, soit vous prenez un raid et vous le faites travailler par votre coiffeur, il faut que ce soit un bon coiffeur pour que ça se rapproche le plus possible. Mais dans tous les cas, ça ne sera jamais exactement comme vos cheveux. Et ça, c'est un message que je passe souvent dans les vidéos. Mais quand on porte un volumateur capillaire, c'est parce qu'on perd ses cheveux et quelque part, il faut un petit peu faire le deuil de ses cheveux. Je sais que c'est pas facile. On a toute envie que ce soit exactement pareil, que ce soit complètement indétectable. Mais malheureusement, c'est compliqué, hein. Moi, j'aimerais bien pouvoir vous dire, bah oui, je peux avoir exactement la même chose. Et voilà. Et je comprends que ce soit quelque chose qui permette vous de vous reconnaître dans le miroir. Mais malheureusement, en tout cas, sur l'offre actuelle, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai des bouclés qui ont des boucles serrées comme celle-ci. J'ai des ondulés, mais j'ai pas toute la gamme de cheveux frisés qui existe. En fait, c'est pas possible. Et encore, hein, quand je suis arrivée sur le marché, ça n'existait pas. Hein. J'ai dû me battre auprès des fournisseurs pour obtenir ce type de bouclés. Ça a été beaucoup de mise au point. Donc voilà, peut-être qu'un jour on y arrivera, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.